1er août 1914. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique déclare la guerre à la Russie. Par le jeu des alliances, la France se prépare à entrer en conflit. Quelques heures après l'annonce de la mobilisation générale, les Allemands vivant en France sont priés de quitter le pays. Karl est l'un d'entre eux. Quelques jours après que Karl ait été reconduit à la frontière, la guerre vint réclamer un nouveau tribut et enleva son père à Marie. Le cœur serré, Émile quitta la ferme pour se rendre à la caserne de Saint-Mihiel. Comme des millions d'autres, il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Salut à tous, c'est Mask3 et je lance ce KOT. Non, je déconne, c'est sur, sur ce d'inconnu mémoire de la guerre, de la grande guerre, excusez-moi. Donc, édité par Ubisoft, voilà, donc un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, en 2014. Voilà, donc là, attendez, le jeu, je vais faire peut-être des épisodes dessus, je sais pas encore, je vais voir si ça me plaît bien. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Et donc, il est parti voir la liberté, égalité, fraternité. Donc, il sait pas ce qu'il veut attendre, c'est la guerre et tout. Donc, la guerre d'Allemagne, la grande guerre, la première guerre mondiale. Voilà, ben, on suit ce qu'il faut faire. Ah, il est équipé pour partir à la guerre. Faire quoi là? Espace. Alors, donc on va pas courir, je sais pas moi. C'est encore un petit peu trop fort quand même. Toc toc. Voilà, appliqué. Donc, là, il fait les épreuves, hein, il s'entraîne en fait. C'est comme un tutoriel, quoi, pour apprendre le jeu. Voilà. Continue. Là, on utilise les grenades. Ok. J'ai mal fait. Voilà. Voilà. C'est simple au début. Ah, il faut prendre la grenade. Ah mince. Voilà. Donc là, c'est pour se familiariser avec les touches, les jeux et tout. Donc là, ils sont en train de... Garde à vous.
Ma chère Marie, nous voici en route vers la capitale. Il règne un enthousiasme communicatif et une fraternité que j'aurais aimé voir plus souvent en temps de paix. Je t'écrirai à nouveau dès que je connaîtrai mon affectation, afin que nous puissions correspondre. Embrasse mon petit-fils pour moi. En cherchant à rejoindre son régiment sur le quai 21, Émile allait rencontrer celui qui deviendrait son frère d'armes, son compagnon de route, son ami. Ah, c'est une histoire très triste, hein. Franchement, c'est un beau jeu. Il n'y a pas de guerre comme un jeu comme on trouve maintenant avec la guerre et tout du sang. Non, c'est vraiment beau comme histoire. Pas mal de monde m'en a dit du bien, donc je le fais. Ça me plaît. Ouais. J'espère que ça vous plaira, enfin j'espère pour moi aussi. Donc là je sais pas ce qu'il faut faire. Ok, on va continuer. Oui. Ok, bah lui il picole bien, lui. Il picole sec. Ah. Oui. D'accord. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, il y a un truc là. Tab. Oui, si je le lance, ça fait quoi? Non mais Oni, faut, je pense qu'il faut boire en fait. Je sais pas du tout comment faire. Ah ouais. Mais non mais faut prendre. Attends ouais voilà, il y a un truc. Nanana, chaque quai. Ok, là c'est juste les faits. Voilà, hop, objet. Ok. Ok, bah ça c'est l'inventaire à moitié. Bah, c'est comme inventaire. Là, y a un... Ok. Ah, mais faut faire quoi? Je sais pas moi. On va prendre ça. Ah, d'accord, faut me dire plus tôt ça par contre. Je comprends pas ce qu'il dit le mec. Ouais, je continue. Nouvelle écriture, ok. De la musique, il veut de la musique. Ok, il veut de la musique. Alors, je peux le quoi là? Ah. C'est énorme quand même. Là, y a un truc. Un stylo plume. Je sais pas pour comment on fait pour sauter. Bon, il faut pas sauter. Il nous le dirait sinon. Je vais continuer, hein. Je sais pas où il nous emmène. Ok, là. Je vois le bonhomme là. Mon frère d'armes, apparemment. Je sais pas si mon frère d'homme, je sais pas qui c'est mon frère. 21 août 1914. Le régiment d'Emile fut envoyé pour affronter la 71e division dirigée par le baron Van Dorf. À l'enthousiasme des premiers instants succéda à l'anxiété des premiers combats. Bataillon, en avant. Donc là, on est encore en France.
bientôt sera en Allemagne. Voilà, donc vive la France. Donc là on suit un... Oula. Ah oui d'accord, il faut éviter les bombes, ok. Ah oui, il y a une ombre en fait, Ok, il y a une ombre. Waouh mince, j'aurais dû continuer. On va les éviter le plus possible, j'espère qu'on va réussir. Pour une fois c'est pas moi. Wow. Oh là là, non. Oh, je pense qu'il y a... On va pas côté jusqu'au début quand même. Non ça va. Mais n'importe quoi, il est trop gros quoi. Je vais galérer sur cette mission, c'est que le début, je galère déjà quoi, what the fuck. Ouais, faut foncer, c'est pas possible. Je vais me prendre un mortier encore. Je vais pas le sentir venir. Ah là là, fallait où? Ah bah pour une fois c'est pas moi qui s'est pris une balle, c'est moi. Pour une fois que c'est pas de ma faute. Ah que c'est pour une fois. Mademoiselle Marie Chaillon, le soldat Émile Chaillon du 150e régiment d'infanterie est tombé le 21 août 1914 sous le feu de l'ennemi. Blessé, il a été fait prisonnier par l'armée allemande. Nous espérons que vous recevrez bientôt de ses nouvelles. Originaire des Amériques, Freddy s'engagea dès le début de la guerre en tant que volontaire dans les forces françaises. Derrière sa bravoure se cachait un homme que la guerre avait anéanti avant les autres. Un homme qui n'avait plus qu'une seule obsession. Punir ceux qui avaient brisé sa vie. C'est à la Marne que Freddy retrouva enfin la trace du régiment commandé par le baron von Dorf. Il est trop marrant. Désolé. Allez faire quoi là? Je suis trop fort avec ma petite pince. Oui, moi je fais côté. Ça c'est Hulk le mec. Ok, géant. J'ai vachement visé moi. Ah, peut-être lancer là, je sais pas. J'essaye hein. Voilà. Putain, mais lui avec ça. En fait, lui c'est spécial pince en fait. On va l'appeler comme ça. Monsieur Pince. Il aime les pinces.
Mince. Wow, 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 wow. Ah merde. Attendez. Je vais me rapprocher après. Voilà, je pense qu'il faut faire ça. Voilà. On va attendre qu'il tire lui. Il est content, il est content. Ouais, oh, il est content, il a tiré toutes ses balles, il recharge. Pas moi qui sais comme mec. On va le prendre quand même. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Faut l'emmener par là. Ah merde. Ah, faut descendre, descendre, descendre. Descendre. Ah. Dynamite. Oh, le mélo. Ah mince. Faut en mettre une. Voilà, faire sans fait. Mais qu'ils sont trop contents. Quoi. Putain, elle vénère, mec. Ça fait trop mal. Je sais pas, faut peut-être tirer là-dedans. Je sais pas, je vais essayer. Voilà. Oh, putain. Ma femme a-t-il peur, ça? C'était pas qu'à moitié. Je pense qu'il faut tirer là-dedans. Voilà. Ah mais quand je me rapproche, il est là lui. Je recharge. Il recharge, il recharge, il recharge. Dans les tranchées. Allez, monsieur Pince, on est avec toi. Vas-y, tire. Fais plaisir. Une grenade. Je sais pas si il faut faire mais... Voilà. Maintenant on va pouvoir en prendre une, la retirer. Eh, picadou de Monsieur Pince. Oh non. C'est parti. Zum Ours. Je sais pas si c'est allemand ouais. Ou russe là. Putainaise. Les mortiers sont là. Là il nous faut un truc. Enfin il me faut un truc parce que je suis tout seul. Ouais mais c'est bizarre quand même. Ouais d'accord. Moi je suis un petit peu aveugle. Enfin un petit peu aveugle, je suis un peu con en fait. Je savais pas qu'on pouvait taper, c'est vrai. Oh merde. Mais lui, il va rester là, merde. Putain. Faut que je l'emmène un petit peu plus loin lui. Faut pas qu'il reste là. Oh, j'ai le temps. Il faut que je monte, vous voyez l'escalier noir là. Je crois, hein. Je suis pas sûr mais je pense.
Allez, vite, 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 vite. Vite, mon gars. Là. Ouf, c'est bon. Ouh, mince, ouh, mince, ouh, mince, ouh, mince. Pas que fasse de bruit. Alors là, il y a c'est des fruits, je pense. C'est pas que je pense, c'est sûr. Et moi, là, je peux pas prendre l'échelle, sauf si je tape. Non, non, attendez, je vais taper d'abord, voilà. Voilà, je vais taper. Mais je fais quoi, moi, après? Oh, mince! Il fallait le taper. Je l'ai pas tapé. Putain, il fallait le taper, il fallait le faire tomber, en fait. Et comme un coup yomen, je ne l'ai pas fait. Hop, c'est comme ça. Mince, 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 allez, mon dieu. Voilà. Et lui aussi. Donc, ouais, il échappe. Ah, mais ce pince, il est énervé, il est pas content, hein. Il déchire les drapeaux et tout. Trop vénère, le mec. Grâce à l'appui des forces britanniques, le plan allemand avait échoué. Et ouais, c'est con, hein. Le front remonta vers le nord et se figea avec l'arrivée de l'hiver. Ah, la Belgique. Les soldats que c'est beau. S'entrèrent au cœur d'un dédale de boyaux et de tranchées. Gigantesque labyrinthe que l'histoire allait rendre tristement célèbre. Karl et son régiment se replièrent aux abords de Neufchâtel, dans le camp où Émile était détenu prisonnier.